Ah, ils ont coupé la mangrove. Une découverte. Une découverte. Ils sont en train de couper la mangrove, doucement, doucement. Là, c'est sûrement pour le terrain. Là, c'est... Oh là, regarde le bel écureuil là-bas. Tu as vu la faune qu'on a ici? Ok. Ben, comme vous voyez, là, nous sommes sur un site de comment dire ça, destruction de la mangrove. Hein? Là, c'est l'horreur. Je suis horrifié de voir ça quand même. Hein? Et là, il ne faut que commencer. Et je crois que ça va s'accélérer dans les prochains jours. Si bien sûr rien n'est fait pour les arrêter. Mais ça va s'accélérer dans les prochains jours. Parce que chez nous, c'est l'accaparement des terres par tous les moyens. Hein? Voilà. C'est vraiment ça. Comme ça, ils vont faire, comme a fait l'autre là-bas. On coupe la mangrove, après on fait le remblai avec le sable de mer. Ah, c'est ça, malheureusement. Oui. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Là, on a croisé tout à l'heure des serpents, hein? Écureuils. Il y a de la biodiversité. Hein? Et tout ça, ben, ça va disparaître parce qu'un individu aura dit que bon, cette mangrove-là, moi, il faut que je la détruise. Voilà. Hein? Ce que beaucoup ignorent, c'est que la mangrove est très importante, hein, dans la régénération de la ressource halieutique. Hein? Voilà. La fruyère, c'est où? La fruyère, c'est la mangrove. Hein? Et non seulement ça. Oui. Et voilà. Et le puits de carbone. Hein? Donc tout ça, c'est important. Mais chez nous, on s'en fout. Hein? Voilà. Chez nous, on s'en fout, véritablement. Chez nous, c'est je vais avoir un coin de terre, allez, mangrove ou pas, je coupe. Et puis, je m'en fous du reste. En fait, ce qui est triste, c'est la question qu'on se pose. Malgré les efforts que fournissent les acteurs de la protection de la nature, l'environnement et autres, je me demande, est-ce que l'information concernant le rôle ou encore l'importance de la mangrove, si les gens réussissent vraiment à capter cette information, en fait, est-ce que les gens ont vraiment connaissance du rôle que la mangrove nous assure ou de la protection que la mangrove nous assure? Parce que quand tu vois ça, sincèrement, j'ai mal au cœur, en fait. J'ai mal au cœur de voir que la mangrove est détruite jusqu'à ce point. Mais bon, on ne sait pas à quel niveau on va essayer de maximiser ou intensifier la sensibilisation. Et on ne sait pas vraiment à quel niveau, mais c'est vraiment triste. Hein, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais bon, nous serons les premières personnes à se plaindre que non, ben voilà, il y a le changement climatique, voilà, il y a les inondations, voilà, il y a ceci, il y a cela, les maladies endémiques, ainsi de suite et autres. Mais bon, nous sommes ignorants que c'est nous-mêmes qui sommes la cause de tous ces fléaux, en fait. Là, on est en train d'aider la mer à rentrer sur le continent. Hein, c'est l'accélération de l'érosion, hein, côtière. C'est ça, en fait. Et on se plaint que voilà, la mer est en train de grignoter le continent, mais nous-mêmes, en fait, on aide la mer à faire son action. Hein, et c'est ça qui est regrettable. Je doute fort qu'il y ait d'autres forêts qui ont des racines de chasse comme celle-ci. Mais, par exemple. Et s'il n'y a plus d'autres forêts après cette forêt-là, après la suite de cette forêt-là, la suite, c'est quoi? C'est que la mer va avancer à une vitesse compliquée. Oui. Parce que les échassiers comme cela, les racines aériennes, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Et ça, par exemple, pour les enfants, ce serait bien de voir ça. Wow. Bon, voilà. Là, nous découvrons un site qui est plus avancé que le dernier que nous venons de voir. Dans celui-ci, la mangrove et la partie de la mangrove est bien complètement détruite. Et on peut même déjà remarquer la présence des fûts qui sont déjà là. Et ces fûts-là, c'est bien sûr pour de l'eau, pour transporter de l'eau. Et on remarque là le sablier qui est déjà déposé, on remarque le gravier qui est déjà déposé. Alors, on peut facilement tirer la conclusion qu'ils vont certainement commencer avec une petite construction qui peut-être va servir je ne sais pas à quoi.
Et ça commence comme ça, ça commence comme ça. Comme on a vu avec la mangrove précédente. C'est d'abord déforester, détruire et commencer à rembler. On ramble jusqu'à solidifier le sol. Et l'autre côté, vous voyez, nous avons même déjà des piquets qui sont déjà posés, en rouge là-bas. Certainement, c'est pour dire que c'est une délimitation, que c'est peut-être une parcelle déjà, un terrain déjà occupé, on ne sait pas. Et bien, la présence de ces graviers du sable justifie simplement qu'il y a déjà l'activité humaine qui est déjà intense et veut encore s'intensifier. Et là, c'est certainement pour le remblage et commencer à chercher à monter un bâtiment quelconque. Mais bon, au fur et à mesure, avec le temps, vous verrez, ça va ressembler aux maisons que nous avons vues de l'autre côté, lorsqu'on marchait. Mais bon, dommage. Et on voit la longueur, on est dans les 100 environ. En tout cas, dans les 100 environ.